école sous dirigeant d'école de professeur d'école yo et pour journée jodi a seulement gen trois côtés dans zone métropolitaine nan te gen manifestation gen yon ti moun te kidnappé dans commune Kafou yo vinn libérer li et men genyen dans zone Pétionville Route Frère et zone Tabar te genyen et tout mobilisation pour dénoncer zak kidnapping bien entendu dans indifférence totale capitale autorité qui pas prend aucune mesure même là parler sous ça parce que nous connaissons une autorité ça qui parle souvent d'une série de dossiers c'est cas président Jovenel Moïse d'avec tes rendez-vous qui commencé à 1h sur Facebook et qui était supposé finir 1h pour 2h l'ité qu'on gagne déjà il était campé il recommencer parce que là faut que nous dit Jovenel Moïse non moment clé dans ça qui concerne les mandats là la contester aspect constitutionnel là d'ailleurs bon il était contesté constitution depuis très longtemps il n'a pas gardé t'es gagné parlement qui existait en plus de sa majorité c'était pour lui parce que nous est tentative un groupe parlementaire était fait pour te destituer il était échoué c'est parce que majorité dans chambre députée ça avait yo t'a marché là il était besoin mettre Jean Henri Séan à terre c'était 5 minutes yo t'a couru mettre la terre mais naturellement toute l'autre loi qui t'a en faveur peuple n'a pas arrivé passer majorité ça pas là et tout comme tout rapport par exemple sous amendement constitution il pas arrivé passer tout et député Pétionville là dit Tardieu te travaille sous en pile et faut que nous dit répondons qui te doit gagner dans sénat par rapport à même travail ça même l'a annoncé te gagner un comité qui te mettait campé sous pied et côté ce sénateur Augustin qui était supposé travailler sous dit et bien lui-même il pas avancé et donc tout ça va pral mettre nous dans tout problème et ça va pral très compliqué mais majorité ça son majorité à la carte et là Jovenel Moïse était besoin sous série de dossiers bien précis il était travail et bien côté que journée jodia li a parlé la contesté et date 7 février 2021 alors que il était connaît dans cadre démarche qu'a fait depuis quelque temps pour harmoniser élection à temps constitutionnel temps électoral là il était supposé perdu plusieurs mois dans Jean était élu parce que mandat là était déjà commencé les que tu gagne gouvernement provisoire et qui était sous pouvoir tu gagne en tête lui Jocelyne Privert et c'était en connaissance de cause de constat très bien ça t'est passé déjà pour chef régime et bon c'est une bataille qu'a mené mais tout m'a dit si c'était un pays qui était chita sous constitution, sous loi et sous respect de façon totale capitale, ça fait longtemps que le pays a tapé qu'on est Jovenel Moïse en rébellion contre la constitution. Parce que même l'elle était majorité dans la chambre, il fait la mêle, il n'a jamais passé devant le Parlement, on l'a mis, pas jamais une doctrine, pas jamais aucun débat qui fait sous lui dans le Parlement. En plus de ça, toute l'autre institution et qui gagnait pour passer devant parlement nomination pour ratifier devant parlement il était gagné majorité dans sénat il va jamais voyer et quitte n'a parlé là de directeur police n'a parlé de conseil administration BRH n'a parlé de conseil administration BNC n'a parlé de monde qui pourra jouer rôle ambassadeur qui pourra représenter Haïti dans pays étranger parlementer encore debout il pas de voyer non seulement parlement pas de protester, pas de dénoncer ça, et classe politique n'a pas dénoncé ça, société a pas levé campé contre ça. Donc c'est nous c'est une rare et très rare société dans hémisphère ça à côté n'a vivre là qui pour accepter un président capable de faire toute bagaille ça derrière la loi. Et le 13 janvier arrivé, il carrément fermé parlement, il dit parlement caduc et sans que il pas de responsabilité pour te 51e législature. Et li voye deux tiers dans le Sénat aller qui vient handicaper, qui vient pratiquement éliminer les dysfonctionnels, li pas capable de fonctionner par l'Assemblée nationale. Ah, malgré ça, pays a toujours bon parti dans le pays a, qui a dormi, ça pas fait rien. Et même les gens qui sont les bien pensants dans la majorité des cas, et le dimanche, les chita dans le salon, ils ont gozé sous deux mouns. C'est ça oublié ou pas dit et puis là fait comparaison ah non ah États-Unis il pas joué ah bah ouais genre institution campé alors c'est pas moun qui fait institution campé institution pas campé pour kotyo et là ouais réponse qui saute bail là concernant tentative coup d'état trompe essayé dans plusieurs étages
dans société américaine là. D'abord, il commencer par dénigrer l'élection depuis avant au fait. Un aspect dans l'élection qui a fait tout temps qui c'est élection anticipée, moun yal voté avant bureau vote et pas jodi a fait, il mené campagne contre. Et puis après ça connait là, il commence faire pression à travers la justice, il pas jeune rien, il fait pression sous fonctionnaire, il pas jeune rien. Li kounye la, li essaye voye, fè je Dubaï la mea ki pare occupel, en après, bout pour bout, et ou est-ce le fè, li essaye fè kounye la sous système et grand électeur qui pas marché, et puis finalement, li voye troup li al entrer dans Capitole la. Le tout fonctionnaire sa yo, tout moun ki nan tout état sa yo, yo gen même réaction. Et la presse américaine, malgré divergence idéologique, yo di non, presque t'ap soutenir la avec déjà pas prêt aller avec parce que c'est intérêt pays a. Yo gon base yo entendre sou li qui c'est fondamental démocratie américaine là. Et puis ça qui ça le fait, li renforcer intégrité tout pour ça yo. Tout pour qu'ap travailler dans système là. Ou même dans pays ou faut qu'ou goumer pour comme ça. Non en écrété quoi spectateur qui chita dans stade. Ah, pas blague dans États-Unis. Mais elle a caille pas. Pendant que la caille pas ou bay vague. Tout ça ou même ou gen ou café en tant que monde qui savait moun ki konnen, moun ki gen moyen économique, moun ki gen capacité multiplicateur ki capable faire bay yo, vanso pa fè rien, ou pa mete ça au service pays ou. Ou pa gen kin exigence démocratique pou pays ou. Exigence ou gen c'est pour affaire personnel ou, c'est pour étude petit tout, mete yo à l'abri pour faire belle étude pour capable parler de yo. C'est très bien. Tout moun vle ça pour famille ou. Mais ça pas suffisant, surtout leur non position sur moun ki bénéficient dans divers étages dans société haïtienne. Eh bien ça vient faire ou son société qui baille vague pays où l'on fait tourner un côté en tant que citoyen ou pas faire rien parce que soit t'es pour te faire depuis premier attaque un président fait contre constitution c'est pour tout pays à te debout quel que l'on soit rapport avec président quel que l'on soit c'est bon cap supporter c'est pour dire non là nous pas suivre vous parce que ça pas bon pour pays eh bien journée jodi a mais ni pile sous pile et puis qu'on est là nous vient trouver nos situations côté ou gagne 10 sénateurs qui élus qui complètement dysfonctionnel et puis ou gros président qui fait ça alpito après ça dans tout l'autre étage dans société a tout pour qui était élu yo vinn de facto tant que magistrat yo et puis ou gagne livo et parlement aller en toute impunité et puis qu'on est là tomber faire loi alors que pas gagne qu'une provision légale pour ça pas gagne mandat il tellement senti le boulevard devant je dis d'aller nous la faire propre constitution li fait propre conseil électoral li pas gagne conseil électoral permanent et li active alors que pour ta capable faire ça faut que tu aies un consensus national l'a toujours joué le monde li joué le monde qui a le poté collé avec pour capable faire et puis qu'on est là li totalement hors la loi nous sorti de piste démocratique légale la net et puis qu'on est là la psigue pour pied devant donc mes situations je ne jodi a li contester continue à contester li dou li là pour jusqu'à 7 février 2022 et puis comme si la planète côté lié à clic client et bien avec une baguette magique même si ou ta aller absurde de façon absurde ou ta accepter que monsieur ta gagne un an devant pour bagali dit pour le faire parce que l'a pas faire dans un an c'est pas vrai dans pays d'Haïti pas grand ken président qui capable ta réaliser pour faire référendum pour faire élection pour faire route pour bay pays à lumière 24 sur 24 dans un an c'est pas vrai c'est menti il pas capable faire et puis mandat fini 7 février 2021 donc je dis à l'état parler avec moun la PC a regé puis qu'on est là tout d'un coup il prend diaspora en otage et puis la PC manipule diaspora qu'on est tellement manipulé il dit comme ça yo capable voter dans tout niveau et yo capable bon, premièrement pour faire diaspora voter c'est un gros défi pour faire voter en tant que citoyen qui doit voter dans tout consulat qui gagne c'est pour son défi majeur Haïti pour comparer pour faire ça parce que faut qu'arriver organiser élection là caillou crédible sans contestation et dans transparence pour capable et après pour faire des matchs pour mettre diaspora là-dedans et nous est tout pays qui t'a fait ça combien de temps ça te prend donc on est là il promet diaspora moins émerveille il dit capable venir voter dans tout niveau et capable candidat tout dans tout niveau peu importe statut que gagne dans pays côté ouya c'est ça qu'a vendre et en toute impunité donc l'on arrive dans une situation comme ça faut que nous reconnaître nous non situation vraiment catastrophique parce que je ne dis pas même cité article de la constitution encore
dans un comité li créé soi-disant indépendant qui gen la dans ancien président ancien général l'armée qui est soi-disant fabriqué constitution sous mesure pour lien qui gen gros savé intellectuel sociologue là dans tout et bien yo pas prêter serment sur constitution yo pas reconnaître yo gen tant mettre constitution dehors c'est dans situation ça nous est son situation catastrophique n'a vive journée jeudi a et au point de vue institutionnel au point de vue légalité mais li capable faire ça c'est parce que gen trop moun ki cupide yo coupé l'ombre yo ak l'argent gen trop moun ki lâche ki pa prend responsabilité yo gen trop moun ki ignorant ki pa konnen tout et yo bien content gon majorité population ki tellement a bataille chaque jour pour vivre li pa gen temps et il pa bien comprendre tout ça qui a passé yo et puis yo tout entortille c'est ça qui fait Jovenel Moïse qui a campé journée jodia pour li a dérespecter pays a sans que li connaît li pas craindre li pas peur connaît rien absolument rien pas privé et surtout l'a joué avec l'argent pays a dans payer l'obéis dans Washington et li est en doux et président Biden j'en laisse comprendre comme si d'accord avec lui l'a mené pays a dans élection li va faire l'autre constitution pour ceci pour cela bon alors c'est ça t'a parlé pendant journée donc même rengagno l'a bail pays a route l'a bail électricité 24 sur 24 et puis tout l'a fait réforme li a énergie solaire tout partout et l'a irrigué combien kilomètres de terre combien hectares de terre l'a fait combien kilomètres de route et l'a trié si que l'autre information qui a fait buzz sur Netland ou pas attendez nous mentionner là dans titre nous gain raison nous pour ça parce que nous préférons rater des scoops au lieu pour nous abvin présenter excuses et c'est principe pas nous n'a essayé vérifier parce que c'est pas toute information qui a fait buzz sur réseaux sociaux qui exactement ça veut dire en pile fois yo gen en pile nuance de la dan yo et tant pour par exemple soit prend information yo a fait buzz sur dit et concernant président Abinader nous pral voir tout à l'heure et gen plusieurs nuances de gris et dans genre de information ça. En attendant nous en mesure pour nous aller dans diverses manifestations qui fait jeudi et concernant question kidnapping nan, qui est sous que société a dans tripli et puisque c'est des moun ou pas de longtemps te kon dieu pas ka kidnapper moun sa moun sa pa rien cob y a marché dans la rue des malheureux et puis c'est yo y a mettre main sur yo et certainement son campagne de terreur et contre population pour neutraliser. En attendant, on vient à la situation politique. Là, côté secrétaire général Petite Dessalines, ancien candidat pour place président dans la dernière élection, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, rencontré la presse jeudi dernier pour le faire connaître une entente qui déjà joint entre plusieurs segments dans la classe politique, là, acteurs dans la société civile, là, pour se un juge dans la Cour de cassation qui pour diriger la transition. À la tête Petite Dessalines, non, fait connaître, entente ça trouvé après rencontre et structure politique lien avec diverses autres organisations, de participer ensemble avec des acteurs dans la société civile là, parmi au secteur démocratique là, DIRPOD, pour citer ça seulement, pour mettre une transition de l'année sous pied d'après ça dit, excusez, yon l'autre part, leader Petite Dessalines, non, déclaré, li pas d'accord pour ce leader politique yo qui pourta venir prendre direction transition. Pendant li rappeler et formation politique li en Petite Dessalines pas entré dans ken pouvoir transition et dans toute discussion qui t'a fait yo sénateur Jean-Charles Moïse rapporté c'est seul Lavalas qui pas d'accord à question la Cour de cassation mais qui en faveur un gouvernement de salut public c'est ça parti politique Jean-Bertrand Aristide toujours à défendre et en côté déclaration secrétaire général Petite Dessalines sénateur Jean-Charles Moïse dans conférence pour la presse côté Hervé Noël était présent pour Radio Kiskeya. Nous avons une réunion Vivi Michel avec secteur démocratique avec AAA avec Fusion avec OPL avec VEO avec FOS que Paul Denis a dirigé avec en pile l'autre entité encore. Nous avons une autre réunion qui était faite tabac avec professeur Victor Benoît qui te gagne l'autre monde qui te accompagne dans réunion ça. Nous avons une réunion tout avec M. Tata Samio et dans table encore nous avons une réunion avec Kelly Sébastien, ancien sénateur, avec ancien sénateur Beauplan. Et avant hier encore, nous avons une rencontre avec ancien sénateur Sorel,
avec ancien ministre Paul Denis, avec sénateur Leblanc. Et nous connaissons tout, petit Dessalines dans le groupe que Lionel Trouillot a dirigé. C'est ça, le comité suivant, qui a 300 organisations avec parti là-dedans. Dans le compte, nous faisons plus de compromis, peuple haïtien. Nous demandons pour une transition un an. Après une pile discussion, nous jouons en entente pour une transition deux ans qui va gagner dans le pays. Petit Dessalines te dit, il n'y a pas de premier ministre. Eh bien, nous avons compromis. Et compromis, ça, c'est que nous d'accord pour qu'on premier ministre qu'on y a. Parce que, petit ne pas de premier ministre, mais tout le monde, tout le secteur, il dit qu'il faut premier ministre. L'autre chose encore, que nous d'accord, nous avons dit pour un gouvernement 10 personnes, qui donc 10 ministres, 10 ministères. Finalement, nous avons entendu pour gagner 13 ministères. Après ça, tout le monde d'accord net pour aller dans le coup de cassation. Un seul groupe qui n'est pas d'accord, c'est la Valas, qui eux-mêmes, ont toujours qu'un et vraiment de ça, les publics qui ont, ça me dit si on ne force pas ou qu'on impose ça ou qu'on mette fait. Mais nous devons arrêter plus pour la constitution. Et je me suis dit, ouais, mon coup de cassation est un service, c'est pas le coup de cassation. Et va passer coup de cassation libre, non? Et nous avons dit tout, c'est une femme qui te fait l'élection 1990. Et nous-mêmes, petit Dessalines, nous comptons tout le monde d'accord pour aller dans le coup de cassation. Tout le pays attendait bien. Petit Dessalines, pas pour entrer dans le gouvernement de transition. Petit Dessalines souhaitait une solution pour qu'elle organise l'élection d'un pays. Et c'est dans l'élection ça que Petit Dessalines pouvait forcer pour nous capables de présenter la nation au programme à court terme, à moyen terme et à long terme. Et pour nous mettre toute capacité nous dans le pays pour nous pouvoir et pour nous solutionner le pays. Voilà, c'est dirigeant Petit Dessalines dans la conférence pour la presse. Ancien candidat dans la dernière élection pour place président, ancien sénateur Noah, a annoncé tout un calendrier de mobilisation qui a commencé à partir du 31 janvier, qui a venu là, tout partout dans le pays. Dans Port-au-Prince, ancien sénateur Jean-Charles Moïse a annoncé une manifestation qui a commencé dans Pétionville, jour qui va 31 janvier qui a venu là pour la boutte devant Palais National pour rappeler Jovenel Moïse mandat fini. Ils font plaidoyer pour gagner un gros humblé entre toute force nation pour capable poser vrai problème payable pour le faire face. Ils n'ont pas les dénoncer phénomène insécurité à kidnapping particulièrement qui c'est un acte terreur contre peuple et opération voler terre monde tout cap fait en même temps avec bien monde tout partout dans pays a dans complicité avec autorité qui sous pouvoir. N'attendez secrétaire général Petit Dessalines, ancien sénateur Jean-Charles Moïse, qui était candidat dans la dernière élection présidentielle pour place président, et conférence pour la presse côté Hervé Noël était présent pour Radio Kiskeya. Nous venons annoncer tout le monde à partir de 31 janvier 2021, ça que la lague. Mobilisation dans tout le pays. Et nous dit ça, nous concertons avec un pile monde dans l'opposition, qui au même tour pour aller rejoindre nous. Et nous pas dit ça sous base c'est Petit Dessalines qui annonce mais c'est l'ensemble groupe qui va l'annoncer tout mouvement ça yo et nous allons faire mouvement ça yo conjointement parlant dans sens ça nous croyons que à partir de 31 janvier gain mobilisation qui va faire dans Capetionville et il va prendre route et Boudonlan pour tomber la lui et pour venir faire une déclaration devant Palais National pour dire Jovenel Moïse c'est pas mandat mandel pour aller mais c'est mandat qui finit. C'est ça nous pas le dit. Moun kap tandem la, tandem bien. C'est mandat Jovenel Moïse qui finit. C'est bagay. En attendant, nous voulons dire tout pays. Hein? Négociation a continué. Si nous, ouais, jodi, hein, j'en nous parle là. Et puis, on t'a changé attitude. Et puis, on t'a vle pas yon bagay tant que c'est à la manière de privé. Petit Dessalines, pape là-dedans. N'a pas retiré qu'on nous. Mais en attendant, nous d'accord, n'a continué de travailler avec tout secteur qui en nan pays. Hein? Pour nous une solution définitive pour Haïti. Une solution pour qui ça? Que Petit Dessalines souhaitait qu'il gagne. Un, c'est pour nous finir avec l'insécurité. Nous garder bien cette insécurité. Il y a kidnappé moun, pas jamais kidnappé un bourgeois, yo pas jamais kidnappé un membre gouvernement, yo pas jamais kidnappé un membre opposition, yo pas jamais kidnappé un politique, mais c'est malheureux qu'a victime avec classe moyenne. Nous besoin finir avec ça. Et puis tout, moun qui diaspora yo qui achète en Haïti, qui est en Haïti, il y a volé caillou, il y a pointé, ça c'est le monde qui gagne pouvoir, c'est le monde
qui gagne une connexion avec pouvoir, nous pas ka d'accord bagay ça. Nous opter pour gagner yon blé que nous te ka baptiser soit conférence nationale ou bien état général qui pour organiser. Après, pas gen jalon qui déposé sous question fond Porto Caribéen pour nous joindre l'argent et finalement pas gon CP qui pour monter rapide qui pour refléter tendance tout petit paysan, tout secteur d'un paysan qui pour all organiser élection d'un paysan et pour doter paysan autorité qui gen légitimité pour capable mener Haïti à bon port. Voilà, c'est conférence pour la presse, dirigeant Petite Dessalines dans Tebaï journée jodia, sénateur Jean-Charles Moïse et sous conjoncture politique là, ak sa k'ap passé nan mitan opposition, selon lui-même gen des avancées et qui fait. Et faut nous dit maître André Michel dénoncer plusieurs arrestations illégal qui fait dans opposition et li dénoncer arrestation M. André Michel illégal ak arbitraire policier Elifet Bonfris Becker Beauplan David Zidor et Edivenson Joseph li ont été arrêté au jour qui était 21 janvier de façon illégale dans Tigouave et qui ferme dans commissariat Delma 33. Ça a dénoncé nos conférences pour la presse jeudi dans Jade Kiskeya, M. André Michel voyez jeté déclaration autorité qui fait quoi quatre policiers ça yo arrêté te gagne gros âme et zam trafiqué dans main d'après ça responsable dans l'état fait connaître et selon porte-parole la police non. Et selon lui-même c'est seulement zam de service policier ça yo te gagné dans main au moment était arrêté et maître André Michel qui c'est un dirigeant opposition face à régime tête caléa et critiquer délégué départemental Niplan Morel Espérance ak un groupe nèg armé li dit qui te fouillé machine quatre policiers ça yo pendant yo te trouvé yo nan commissariat Tigouave là sans pas de gagner un juge de paix qui était présent pour faire constat. Et n'attendez maître André Michel dans conférence pour la presse à côté d'Hydro parents était présent pour Radio Kiskeya. Les policiers Becker Beaublanc, Elifet Bonfrit, Zidor David et Divenson Joseph, yo arrêté yo Tigouave. Il t'a pral fait vers 11h du matin. Mais la vérité c'est quoi? La vérité c'est que le policier David Zidor est originaire du département d'Ennip. C'est la caille il t'a pralé. Col pas trop bon, li pa vle prendre route là pour compte li. Li mandé trois autres confrères pour accompagner pour aller dans pays. Maintenant, Jean commissaire du gouvernement Miragouane nan dit lui-même, on côté leur arrivé, yo rencontré avec le commissaire du gouvernement de Miragouane, maître Muscadin, qui dit que yo pa gen ordre de route pour yo rentrer dans département d'Ennip parce que yo te porté uniforme yo juste pour être capable protéger yo. À partir de ce moment, ils ont décidé les policiers de retourner à Port-au-Prince. C'est justement en retournant à Port-au-Prince que l'œil arrivé Tigouave, yo constaté gain yon machine qui pratiquement rentré sous yo. Yo prend une patrouille de délinquants. Cette patrouille de délinquants était commandée, dirigée par le délégué départemental d'Ennip, M. Morel Espérance en personne. Mais c'est par la suite que nèg yo ap apprendre que pendant yon a commissariat Tigouave, véhicule yo tap conduit yo fouillé véhicule là. Qui est-ce qui a fouillé le véhicule? C'est le délégué départemental d'Ennip, M. Morel Espérance en personne, avec les hommes armés qui l'accompagnaient. Première question. Le délégué départemental d'Ennip, représentant du pouvoir exécutif dans le département d'Ennip, n'était pas dans sa juridiction politique à Petit-Gouave. Deuxième élément, le délégué départemental, quel que soit délégué départemental là, il n'est pas un officier de police judiciaire. Cette fouille n'a pas été réalisée par un juge de paix. On aurait dû faire appel à un juge de paix, officier de police judiciaire, pour dresser un procès-verbal de flagrance. Le policier Becker Beaublanc, Elifet Bonfrit, David Zidor et Edivenson Joseph
ont été arrêtés en dehors de la loi. Leur arrestation est illégale. Leur détention est arbitraire. Nous exigeons le plus vite possible leur libération. Et nous disons que les policières de la République ont la responsabilité morale et professionnelle de donner toute la solidarité nécessaire à ces quatre policiers pour être capables de sortir en prison. Ce sont des policiers en fonction et nous avons trois là-dedans qui étaient ensemble avec les armes de service, les pistolets que la police a. Maintenant, ça a bien parlé, question des armes trafiquées, la police a parlé, ou bien l'autorité de la police a parlé, question mitraillette, ou bien Galil. Ça, c'est le délégué départemental de NIP pour moi qui dépose dans la machine. Policiers, et voilà pourquoi nous porterons plainte le plus vite possible contre le délégué départemental d'Eni. Voilà, Maître André Michel, dirigeant secteur démocratique et populaire, dans la conférence pour la presse, sous Bopal, inspecteur police, avocat Jean-Fritz Mani, qui est avocat syndicat police, SPNH 17, non, et qui dénonçait mauvais comportement certains policiers qui étaient empêchés, policiers pareils, manifestés dimanche passé. Maître Fritz Mani fait connaître, syndicat police, prend distance li avec gens de comportement ça. Alors que Maître Jules Franz critiquait déclaration ministre haïtien qui a vécu dans pays étranger qui a joué rôle tout et ministre intérieur collectivité territoriale lui dit pour un petit bout de temps et Edner Gonzague lui rappelait et ministre gouvernement de facto à période bout du livre symboliser pas existé encore peuple haïtien te mettait un point final dans ça et c'était dans période papale et yon l'autre pas avocat dénoncé comportement délégué Niplan. Il encourage la population lever camper pour demander libération quatre policiers ça yo yo arrêté des do la loi et puis mettez faux accusation sous do yo. Et une après l'autre n'attendait inspecteur police maître Jean-Fritz Mani avec maître Jules France toujours dans même conférence pour la presse ça qui t'est parlé comme ça. Alors, ce matin, sujet à nous connaître déjà, nous avons quatre policiers qui sont censés subir des arrestations graves et nous, toute la presse, nous au courant déjà du dossier SAO et dans le cadre de support que SPNH a pour le bail à policier SAO comme syndicat qui l'a pour le surveiller bonne marche institution. Maintenant, pour vous, une parenthèse pour nous profiter de ça à la presse et à la population. Nous avons suivi des déclarations qu'a faites sous presse. Ça fait deux, trois semaines qu'on a suivi ça. Nous avons que presse ça, les manifestants ont râle bol face à policiers qui peut-être a maltraité ou bien même population et a maté population à travers des gaz qui a simé bail bâton pour rien. Nous même dans SPNH faut que la presse pas oublier que nous t'ai toujours démarqué nous de bagaille ça. SPNH lui-même nous toujours a critiqué. D'ailleurs, la presse témoin, lui voit très bien que même nous-mêmes, nous faisons marche le 17 octobre, nous subissons répression dans mes policiers pareils. Seule équipe qui n'a pas subi répression depuis ces derniers temps, ces semaines dernières, nous voyons, côté que, il y a une équipe qui sortit là, il y a des recherchés là-dedans, seul eux-mêmes qui n'a pas subi répression. Mais ça fait bien longtemps, nous voyons que les policiers ont mal agi et nous t'es toujours démarqué, nous. Nous demandons pour la presse à souligner ça. Parce que nous-mêmes, nous demandons pour les policiers pour respecter la loi. Nous ne devons pas mater les manifestants, nous ne devons pas mater la presse et il faut que la presse ne pas dit que c'est jeudi à seulement nous dit, nous t'es toujours conduit. Tout le monde connaît que Gonzague 2, c'est petit dernier 2, peuple haïtien en 1986, 90, 91, mémoire peuple haïtien pas coûte. Parce que combat avec les obaïs pour oublier pour qu'ils changer. Peuple haïtien était gourmet contre le régime du Valier-Ristan, régime sanguinaire, là, régime sans franiloire. Donc, vous avez dit, son monde qui était déchouqué déjà. Edner D, son nez qui était déchouqué déjà. Tout le monde connaît que Edner D, ça qu'on a fait dans Belair. Comment qu'il était massacré, jeune. Jodi à là, nous pas en 1986, nous pas en 1988, nous pas en 1980. Jodi à là, nous l'ont l'autre ère. En ce qui a trait de délégué, délégué à son monde, où elle est morale, espérance. Son nez qui sans morale, son être qui sans espérance. Il n'y a pas aucune expérience, il n'y a pas aucune morale. Qui donc tout ça a se fait là, côté que ce jour même, il a arrêté Nenel Kassi, il a arrêté plusieurs militants. Dieu soit loué, nous sommes arrivés à jouer une libération Nenel Kassi et tout le peuple militant. Même gens, peuple haïtien, t'es levé campé pour demander libération militant. Pour demander libération, Nenel Kassi, sénateur Nenel Kassi, et bien demander peuple haïtien, même gens tout, pour lever campé, pour demander libération, quatre policiers. Un, qui c'est Beaublanc Becker. Deux,
qui c'est Isidore David qui te détient un certificat médical de 5 jours. Certificat médical ça qui t'a pris fin à partir de le 23 janvier 2021. Qui donc que monsieur arrêté pendant que l'hôpital bat un certificat médical côté que il frappe d'une maladie, il n'est pas capable de prendre un traitement malgré le suivre l'hôpital, mais il t'a pris le monde pour aller plus loin. Voilà, c'était avocat maître Jules Franz et avec maître Jean-Fritz Mani. Conférence pour la presse, ensemble avec maître André Michel sur arrestation 4 policiers sa yo. La police n'a accusé qui te gen gros âme fan de fois, âme trafiqué. Non, mais c'était jour manifestation Miragouane. Non, c'était 21 janvier qui s'est passé là. La fond premier camp. National Média Haïtien ANMH paraît une note sous conjoncture politique là, surtout après un pile attaque qui fait sous journaliste yo. Pendant yo a fait travail yo, côté la police a frappé yo, même avec manifestants yo. Association National Média Haïtien ANMH dit ça avec gros cœur sauté. La constater démocratie ça peuple haïtien prend un pile temps pour construire wash après wash journée jodi a 35 ans après li menacé Jean que l'a regarder situation globale pays li dit signal yo clair gen un train répression qui lagué là et désormais et train ça semble la passer sur tout monde et sans que yo pas faire aucune distinction et la police depuis deux monde rassemblés pour exprimer au droit constitution 1987 la bayo et bien écraser sans garder derrière quel que soit statut moun yo toute manifestation pendant dernière manifestation qui fait là yo journaliste surtout pas épargné par exemple gagne Reginal Remy qui c'est un journaliste radio Caraïbe qui t'a gagné badge sous lui il était identifié il recevoir pour petit 3 balles dans main une patrouille la police alors que il t'a exercé profession Jean que constitution garantit dans cadre liberté la presse et liberté d'expression. Gen l'autre confrère tout en coup destiné Alvarez et ALTV ou bien Renal Petit Frère Radio Signal FM, yo t'ai subi même soit tout été victime de agression pendant étape exercer profession. ANMH dénoncé attaque ça yo et qui fait contre média et contre journaliste yo. Et exiger pour la police avec autorité gouvernement respecter liberté la presse, liberté journaliste et médias pour informer population et pour exercer devoir pour bailler population et toute information li besoin mais pour faire ça journaliste besoin pour faire à toute sécurité et pour à toute liberté sans que ANMH pas mettre sous côté et droit gagner pour poursuivre moun qui fait attaque contre journaliste à contre média dans exercice et fonction yo moun sa yo que ANMH qualifié de prédateur de liberté la presse. ANMH va poursuivre toujours dans note ça côté li passé et en gros menace qui gagne sur liberté la presse mais sur liberté et démocratie en général. Il parlait de simple citoyen qui a fait sit-in et devant résidence en premier ministre non, semaine passée à c'est même gens tout la police bien yo à gaz lacrymogène alors que pas t'a faire un désordre sur droit yo a exercé c'était même cas pendant plusieurs occasions année passée pour de l'autre citoyen qui était rassemblé devant ministère la justice avec de banderoles dans main yo la police t'a écrasé manifestation yo sans aucun yo pas de faire aucun désordre et donc droit ça la police haïtienne pas respecter encore de pas respecter le désormais droit pour moun gagner pour exercer et selon article 28 constitution et droit et que citoyen gagner pour exprimer yo sur tout ça qui concerne pays yo droit ça journée jodia l'on citoyen voulait exercer c'est ville li mettait en danger parce que c'est de façon abusive la police a gazé yo a tiré balle qui capable touyer yo ou bien balle en caoutchouc c'est ça nous constater pendant dernier temps ça yo et qui la cause en pile monde victime tout partout dans pays ya. Depuis 13 janvier notre ANMH ta cap poursuivre 2020 alors que pas gain ken démarche gouvernement te fait Jean que constitution prévoit pour te faire élection dans finissement et législature 50e nan et bien président république là était parlé de article 134-2 dans moment loi pays constitution amendée
Elle t'a déclaré li constater finissement mandat député avec 2/3 dans Sénat sans que elle pas prévoir aucun mécanisme pour te faire élection pour remplacer. Depuis dat ça président bay tête li tout pouvoir et tout droit et li pas caché Jean que le content d'après avoir quoi li là c'est lui même pour compte li qui a fait loi pour tout un pays. Depuis dat ça tout équilibre démocratique constitutionnel là li crasé li rompu d'après ça ANMH constaté. Pouvoir législatif là li hors jeu, il pas existé encore alors que pouvoir judiciaire li maré dans pied table et pouvoir exécutif là. Commissaire gouvernement yo c'est un instrument yo yé dans main pouvoir exécutif là qui fait salver avec yo. Pendant ce temps ça juge yo ça qui t'a montré yo gagné tendance pour ta exercer indépendance yo dans dossier y a travail sou yo des dossiers sensibles. Yon ba gros menace gran pile ki oblige kouri entre nan maron bien kite peyi a ak tout fami yo gen lot menm sa ki gen manda yo ki bout et bien y ap viv nan incertitude puisque pouvoir pa renouvelé manda yo en pile pa konnen pou konbien tan yo la. Pendant ce temps ça citoyen ak citoyen yo et sensation yo genyen l'état et bandonné yo l'état montre li incapable pour garantir sécurité yo là dans la rue pour garantir sécurité famille yo pour permettre yo circuler quitte c'est même quitte c'est bien yo et sur route nationale yo et dans tout partout dans pays a vie yo menacé yo en danger l'état pas capable garantir droit yo bandi c'est eux même qui occupent tout vide pouvoir public yo quitter et c'est eux même qui a faire des faits et force sécurité yo et pas faire rien alors que gen industrie et les kidnapping qui florissent qui tablent dans pays hein qui a fini ak citoyen yo ak famille yo qui déjà a vivre des situations difficiles qui a soucé tout petit moyen yo gagnent dans industrie kidnapping et ANMH ka poursuivre toujours c'est dans contexte et ça côté pays a plongé et situation tête en bas président république là li même li projeté tête li comme un président gros poète autoritaire qui pa nan route sa constitution 87 la dit nan exercice pouvoir côté li sans limite non limite la fait sale pipito chef exécutif là pas respecter sa article 150 constitution qui dit président pa gen l'autre pouvoir que sa constitution bali mais de préférence Jovenel Moïse jounen jodi a li a agi et sans qu'une garantie et pour continuité de l'état sans qu'une garantie permanence institution étatique yo selon article 136 non maman loi pays à constitution 1987 non et bien le bail tête li de façon illégale de tout l'autre pouvoir yo tant que pouvoir législatif non là il a pris un pile à paquet de décrets un pile à paquet de décisions qui a mené pays dans de route malépendie. ANMH qui poursuivre toujours le dit gouvernement et président l'engager pays a côté l'a exercer un pouvoir et de façon autoritaire et selon propre volonté pâle seulement il pas gagne aucune balise il pas gagne aucune limite et il a exercer pouvoir que le pas gagné sous côté cadre démocratique là constitution qui c'est maman loi pays tracé pays nous journée jodi a li sorti nan route état de droit li engager le non route là qui c'est un coquin chaîne malépendé pour toute nation elle semblait li vle président pour t'amener pays à retourner dans vieille route que nous te connais déjà dictature pas de porter rien pour pays an, et nous te fait expérience ça qui t'est en mer koufiel pendant un pile année et nous connais conséquences yo nous connais qui ça ça veut dire les privé un peuple de droit et de liberté. ANMH a poursuivi toujours pour dire, par exemple, président Monton Conseil électoral provisoire, pour compte li, d'aide tout un consensus national que l'était obligé faire avant le monter Conseil électoral là. Et puis tout, li vini avec un projet pour changer constitution, pour compte li, et nan, qui divisait population, et projet référendum sous constitution le bail fait pour li, hein, violé de façon totale capitale article 283.3 284.3 dans constitution 1987 non alors que nous pas connaît que nous pas en bas bannière constitution encore qui supposait en application
tout ça c'est des initiatives yon pouvoir et qui passe en bas pied tout ça que maman loi pays a dit et qui passe en bas pied tout tout pour droit que et corps social haïtien gagné pour exercer arrestation sans aucun motif dans date 21 janvier 2021 dans Miragouane sénateur Nenel Kassi ak l'autre militant politique qui t'a participé dans manifestation dans ville ça côté commissaire gouvernement dans juridiction ça t'a fait de gros déclarations incendiaires avant t'a fait arrestation et toute bagaille ça yo mettait pays en une situation difficile et c'est de mauvais signal qui a sorti beaucoup de pouvoir absolu et Jovenel Moïse a exercé qui a fait paquet excès toute expression ça yo d'après ça notre plan a poursuivre pour dire toute expression ça yo et montrer son gouvernement autoritaire et arbitraire et qui rive non moment côté débat et a fait sous finissement mandat président selon article 134.2 constitution pays même article ça te râlé dans date 13 janvier 2020 pour te mettre fin à mandat yon tiers dans sénat et président te dit il était constaté parlement caduc ANMH dit li gen tête chargée devant climat et affrontement liwe qui a dessiné là dans pays et côté fondement même la loi fondement démocratie en principe égalité entre citoyens gens que constitution paysan tracé dans article 18 li ak dans déclaration universelle droit moun menacé pas gen aucun citoyen aucun membre dans trois pouvoirs l'état qui gen droit pour bénéficier d'un régime spécial un régime pouvoir exception et nan place l'autre pouvoir yo qui mettait au-dessus et sous tête toute la loi Association nationale média haïtien ANMH et parler dans sens ça de quelques points dans maman loi pays à la papote dans constitution 1987 là et qui montrait toute garantie au bail pour démocratie et pour état de droit pour peuple haïtien pour implanter démocratie et faut gagner plusieurs idées idéologiques et politiques qui abattent ça le pluralisme idéologique faut gagner alternance politique un seul groupe pas capable prendre pouvoir pour compte lui et d'après droit inaliénable peuple haïtien c'est ça qui est écrit dans papote constitution pour assurer faut gagner séparation entre pouvoir yo pouvoir exécutif n'a pas qu'à faire d'appien sur pouvoir législatif là avec pouvoir judiciaire là et faut qu'il fait en harmonie gens que partage pouvoir ça yo a fait pour servir pays dans intérêt fondamental et dans priorité nation pour installer un régime gouvernemental qui chita sous liberté fondamentale peuple haïtien goumen pour li ak respect droit moun pour tabli la paix sociale pour gen justice dans question économique pour gen tête ensemble ak participation et toute population dans toute gros décision qui a engagé la vie nationale là et pour permettre que gon décentralisation tout bon qui fait dans pouvoir ça c'est principe fondamental constitution 1987 conjoncture politique nous trouver journée jodi à la dernière toujours à NMH k'ap parler et bien l'en a gardé nous perdu route ça nous pas la donne chaque jour plus plus gouvernement qui là ak président l'a mené nous dans l'autre route et côté objectif ça yo que nous te goumen et nous te codifié dans constitution nous ap éloigné de yo ANMH dans sens ça lançons appel by tout moun qui te prêté serment sous constitution pour te respecter et pour yo défendre ni et pour te faire respecter et moun sa yo et pour yo engagé pour les même engagement te prend les entrer en fonction pour protéger pays pour pas la guerre dans Kachou Boumbé président république là doué mettre pays noir sous tête tout intérêt personnel pour prendre décision qui bon et pour conformer à statut qui là pour garantir constitution pays et garantir institution fonctionner association nationale média haïtien ANMH lançons appel by toute force dans nation et by toute institution yo et pour yo lever camper comme gardien valeur démocratique yo qui menacé
pour éviter pays nous pas à tomber dans faire une série de vieilles expériences qui pral craser nous, qui pral dramatique pour pays. Et c'est Jacques Sempeur, président ANMH, qui signe une note de conjoncture ça concernant ça qui a passé dans pays là et concernant menaces qui gagnent sur liberté de la presse, liberté d'expression, difficulté journaliste qui gagnent pour exercer profession yo, en bas répression la police a fait sous citoyen avec journaliste yo. Dans le moment il a exercé profession yo et danger global qui menace pays a qui quitte route état de droit à coup démocratique là. Non Port-au-Prince jodi a dans zone métropolitaine nan te gagnent plusieurs manifestations. Il y a plusieurs centaines même milliers élèves qui sont dans l'école institution éducative Manitane de Luc et APJ et qui te fait une manifestation dans Tabar jodi a pour demander libération yo employé fondation Saint-Luc qui c'est madame Shirley Magloire bandi kidnappé samedi passé pendant tes sautes dans travail li massa était commencé dans l'école là et qui tout près l'hôpital nos petits frères et sœurs et aller bout devant ambassade américaine toujours dans commune Tabar il était passé Carrefour Fleurio pour arriver aller dans l'école là dans une interview responsable l'école là APJ by radio à télé Kiskeya yo fait connait déjà by kidnapper yo un paquet l'argent pour être capable de libérer madame Magloire jusqu'à présent yo déclaré comme l'en pas suffit pas la guerre selon et responsable l'école là qui t'ai parlé avec nous victime nan toujours dans mes bandi yo et yo dit a maltraité si famine pas bay plus l'argent responsable qui t'a parlé avec nous mandé libération sans condition madame Shirley Magloire yo bay jusqu'à mercredi qu'a venir là pour laguer victime nan et si c'est pas ça yo dit a fermé tout service et fondation Saint-Luc là qui a rend population en pile service dans pays là tant que l'hôpital Lio clinique Lio service production oxygène et pour citer ça seulement avec toute l'école Lio yon après l'autre n'a pas de directeur exécutif APJ qui lié à fondation Saint-Luc Brunel Honoré et puis inspectrice préscolaire Willand Antoine avec président conseil APJ Pierre Efezé était dans micro Laurie Lejeune. Je dis à nous prendre la rue, même dans la Fondation Saint-Luc, secteur éducatif là surtout, nous prenons la rue parce que tout simplement, nous avons un collègue, nous avons une collaboratrice. Ok, plus de 5 ans, nous avons une collaboratrice là qui a collaboré avec nous dans le conseil éducation Saint-Luc. Là. Pendant que l'étape sorti dans le travail, il y a environ 6-7 heures, nous apprenons qu'il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré, d'après toute information, il nous dit que c'est kidnappé, il a kidnappé. Nous faisons toute diligence, il a demandé quoi. Entre nous, nous faisons cotisation entre nos collègues pour nous libérer. Nous baillons un masque que nous pas gagné. Malgré tout, nous tendez yo dit yo pas libéré, yo dit yo fâché, pas libéré. Alors c'est pour ça nous prenons la rue à matin, nous dit nous pas qu'a dit nous bouquer, nous si nous dit nous bouquer, nous qu'a font ti poser pour nous continuer, mais nous voulons dire nous pas capable encore. Mais est-ce que nous connaît que parents yo parler avec ravisseur yo? Nous apprendre que parents yo parler avec ravisseur yo. Mais cependant, ti cob nous contribuer pour nous bailler là, yo dit il pas suffit. Yo fâché d'après ça nous apprend yo dit y a maltraité collègue la kounye là parce que yo fâché et puis ensuite yo dit puisque nous prend la rue y a maltraité parce que nous pas de droit prend la rue son bagaille nous yo te doit rester qui te doit rester entre nous pas de droit faire connait. Moi, madame Magloire, nous jouons le même rôle. Job, nous, c'est superviser 28 écoles préscolaires. C'est faire formation pour des maîtres. Côté matériel dans l'école, yo, superviser professeurs pour nous capables d'avoir une meilleure éducation. Madame Shirley, son bon collègue, son monde qui remet tout le monde, son monde qui apprécie tout le monde. Quel que soit le problème, c'est un monde qui est toujours prêt. Même si famou pas bon côté, mais toute famille, nous, c'est famille pâle, c'est seul, c'est frère, tellement. Nous t'en remet libération, madame, parce que l'y mérite pour le vivre, parce que le bail tout seul pour l'éducation. Le message à ceux qui s'allient, nous-mêmes dans la Fondation Saint-Luc, nous-mêmes Fondation Saint-Luc, nous pas de corps. Nous travaillons dans le social. Tout ça nous fait
nous pas dire gratuitement mais c'est une cotisation. Probablement moun qui kembe madame Magloire, probablement yo gen petit yo l'école nan men nous. Probablement là yo malade, yo vinn dans l'hôpital côté n'a bay soin parce que Fondation Saint-Luc pas seulement l'école, nous gen l'hôpital à travers 5 départements, nous gen l'école à travers 6 départements. Nous gen près de 35 écoles, nous gen 2 hôpitaux, nous gen près de 5 cliniques dans tout pays. Et nous même ça n'a demandé libération précipitée madame Magloire. Sinon jodi an la demain nous gen secteur éducationnel là qui a fermé qui pas travail à partir de mercredi pour jodi à demain et toute l'école yo obligé fermer parce que nous pas gen courage pour nous gen un collègue parmi nous côté yo kidnappé puis nous pas gen courage pour nous camper pour n'ap instruire tout monde. On parle de l'école qui dans département l'ouest toute l'école que ce soit l'école qui dans l'ouest yo ça qui Delma ça qui au Kay dans Saint-Louis du Sud ça qui Jérémy ça qui au Cap et Limonade ça qui Keskov ça qui Jacmel ça qui là et quoi des bouquets Cité Soleil. Toute l'école a fermé. Jeudi à demain, tout a fermé et demande libération, madame Magloire. Pressé. Sinon, à partir de mercredi, n'a fermé tout et service nous. N'a bien médical qui a fermé, clinique qui a fermé, l'hôpital a fermé, nous avons secteur production tout côté nous faire oxygène pour sauver vie moun. Nous faisons macaroni côté les problèmes, nous allons distribuer tout programme nous net à fermé. Parce que nous même fondation, c'est nous pas un corps, c'est chercher, n'a pas chercher pour nous aider la communauté haïtienne, nous connaît qui n'a besoin pour nous aider monde qui bon côté nous pour nous aider famille qui n'a besoin bon voilà que nous gagnons monde nos collègues nous cap avec qui avec nous yo kidnappé yo mandé un pile l'argent malgré tout effort collègue yo fait pour contribuer à malgré ça yo pas rien yo chercher prêter pour bail ou yo dit pas fait et nous même nous pas gagne pour bail si à partir de jeudi à soir yo pas libéré demain qui dit tout programme c'est le qui a obligé faire. Voilà, c'était plusieurs employés dans les fondations Saint-Luc, dans l'école de Brunel Honoré, inspectrice préscolaire Willand Antoine, et président conseil APJ, et Pierre Éphésien Honoré, c'est directeur exécutif APJ. Et Fondou dit, nous recevons notre fondation Saint-Luc et concernant et kidnapping Madame Shirley Magloire. Mais ça dit, fondation Saint-Luc. Faire tout public là connaît et population générale une employé lieu madame Shirley Magloire qui membre conseil éducation nous yo kidnappé le jour qui était 22 janvier 2021 c'est des individus et armés qui pas arrivé identifié qui allait avec bozon et 7h30 concernant à soin dans commune quoi des bouquets après crime ça qui sont crime contre l'humanité d'après sa fondation dit qui fait sous madame Magloire fondation Saint-Luc regrette pour le faire tout pour nous connaît toute activité lio qui pas essentiel dans fonctionnement administration yo dans 36 institutions l'école li gagnent à camper jour qui 25 ans donc demain 25-26 janvier 2021 et il dit la fermer tout et porte 36 institutions l'école lio et de l'hôpital lio 700 santé li gagnent cap travailler avec plusieurs côtés dans pays et puis avec centre production France Villa et puis y a programme Out Cherchland de mercredi depuis au pas lagué madame Magloire et si kidnapper toujours kembe Shirley Magloire si yo pas lagué sans un brin cheveux dans tête li paraché dans date 25 janvier 2021 Fondation Saint-Luc profiter de occasion ça pour faire kidnapper connait et en tout cas et lui même li pa gen l'argent si moyen yo gen yo pas capable contribuer nan bay criminel l'argent parce que yo kembe employé qui victime nan men yo Fondation Saint-Luc condamné à toute force li climat insécurité général ça qui tabli nan pays an tout partout et li exige autorité qui pi wo nan tête an pays an pour prendre toute disposition pour capable garantir enfin sécurité la vie ak bien moun nan pays an et pour faire tout ça reconnaît pour y vejoin libération madame Magloire sans aucun condition et c'est fondation Saint-Luc qui c'est une gros fondation qui gagne dans pays hein qui parlait de l'hôpital Dieu qui monde qui pas contre l'hôpital Saint-Luc et dernièrement là les camp les crises et coronavirus là en pile monde les pas dans tel hôpital c'est l'hôpital Saint-Luc qui était allé et grand pile problème les petits monde malade grand pile en pile service communauté ça apprendre pays.
Toujours concernant question kidnapping nan moun ki ap vive route frère commune Pétionville te bloqué route lan totalement nan niveau côté relé Caïcolette lò chavirer lò passer par derrière Pétionville pour chavirer Peggyville qui pral menon nan zone route frère pour mande libération élève nouveau secondaire 2 Marly Dimostel élève dans collège mixte et philanthropie et bandi exam kidnappé samedi qui s'est passé là. Nous interview by Radio Kiskeya deux nan responsable école ça Didier Joseph ak François Jean du Carmel mandé kidnapper yo pour libérer jeune fille qui gen environ 16 l'année sous tête li. Yo mandé autorité yo prend responsabilité yo pour capable bay population sécurité parce que c'est pour ça yo di yo té voté yo. N'ap tande deux nan responsable collège mixte philanthropien Didier Joseph ak François Jean du Carmel qui te parlé comme ça dans micro Lori du jeune. Dans l'école ensemble scolaire frère Basile Moreau dans zone Bizoton 53 en face Marine Haïtienne. Situation était la cause en pile activité était bloquée dans commune ça depuis bien bonheur matin. Situation ça t'a pas débloqué pendant journée l'heure était venir apprendre élève ça qui gagne 10 l'année. Yo te di c'est pendant un moment d'appel l'école yo te kidnappé qui dans 4e année fondamentale te jeune libération. N'a tande deux responsables dans l'école là qui c'est père Fito Régis ak père Jean Molière et la Royon qui te parlé comme ça dans micro Amos Breville. Jusqu'à kidnappé yo moun la caillou qui tout simplement a réagi. Donc c'est toute population moi même personnellement et nous même beaucoup de pas nous pourquoi que c'est toute population en principe qui t'a supposé camper pour capable dire ça que faut barrer ça camper dans la pays parce que c'est tout monde qui est capable. Chaque on a fait un mouvement à part, un petit mouvement isolé, un mouvement ici etc. Et d'ailleurs que nous va comprendre que c'est ça va devoir être seulement yo élève vas-y nous kidnapper tant que c'est kidnappé bon d'ailleurs Normalement, semaine passée, qui n'a pas eu élève tout, nous on est pour l'école nationale et par des informations aussi. Même tantôt c'est une indignation avec un révolte, parce que c'est pas normal que nos pays et puis si nous pas aller l'école normalement. Et le pire, il y a pour si nous n'en mettons pas. Tiens, c'est le problème pour nous pas. Qui bloque pour nous? Est-ce qu'il y a information qui bloque pour nous? Oui, c'est devant marché Bizoton. Jusqu'à présent, nous gérons ça très bien avec collaboration par ailleurs. Il faut profiter et remercier par ailleurs tout qui collaborent avec nous, qui comprennent ça, avec notre membre administration. Donc nous arrivons vraiment à parler avec vous, c'est que jusqu'à ce qu'il élève là libéré et pour la BGFM. Donc après ça, ça va dépendre de deux bagages. Nous avons essayé de contact avec les parents pour une confirmation ou non de l'information. Ça. Mais nous comprenons que les parents, c'est par téléphone, la communique avec lui et que les parents, nous allons arriver joignés, nous allons les gens qui arrivent joignés pour qu'ils confirmer. Nous-mêmes, nous avons parlé de ça directement, seulement le communiqué en confirmation ou bien de parents ou bien de l'autorégiste. Tout ça me dévoile moi-même. Pour moi, je me est-ce qu'il y a plusieurs écoles, mais l'école de Vlé, pour étudier, je me suis fier avec l'uniforme dans le domaine, c'était lycée Louis-Joseph Janvier de Carrefour. C'est là que je fais 6e jusqu'à Philo. Dans le lycée Louis-Joseph Janvier de Carrefour, et jusqu'à présent, je gagne de bonnes relations avec. Tigouave qui était mouru, j'étais les Roseline Vaval. Il premier côté qui était levé, c'était lycée Louis-Joseph Janvier de Carrefour. Et moi-même, avec uniforme l'école là, sous même dans la rue, j'étais dans la tout l'autre élève, côté, et bien voilà, j'étais bloqué. Donc c'est régné à moi-même et Samia. Et je ne vais pas cacher ça. Je ne vais pas parler de l'équipe directeur. Une situation qui est vraiment difficile. Et je pense que un pays n'est pas capable de fonctionner comme ça. Côté que chaque graine, chaque grain haïtien yo vinn semblé bétail qu'on est là c'est comme si yo capable raler yo nan mitan tout pour yo pour yo égorger à n'importe qui moment ça son situation aucun monde pas tolérer et quel que soit moun nan quel que soit nan classe ou ya donc li concerne tout monde et yon appel n'est capable dit c'est que grand pile moun ki dit déjà moi me dit encore c'est que si les kidnappé médecin tout médecin campé ça va concerner l'autre monde si les yo kidnappé chauffeur tout chauffeur campé ça va concerner l'autre monde et bien voilà ça a toujours arrivé donc on pense que c'est nous tout haïtien qui concerné et qui prend, qui pour prendre des mesures contre situation ça. C'est deux dirigeants l'école ça, père Fito Régis et père Jean Molière et Larion qui te parlé comme ça dans micro à Amos Breville, l'école là les ensemble scolaire frère Basile Moreau. Et parents moun qui a vive dans Bizoto 53 qui te participé dans mouvement lever campé ça, continuer condamner kidnapping qui empêcher yo vivre
et qui la cause en pile dans yo ap victime et tout partout dans pays a yo quoi phénomène insécurité a vinn pi red jounen jodi a c'est depuis régime PHTK qui gen en tête Jovenel Moïse installé dans tête pays a situation vinn pi compliquée n'a pas tande déclaration parents ak moun qui a vivre dans zone Bizoto 53 concernant mouvement levé campé jodi a dans micro Amos Breville. Moi c'est mon parent qui a deux timoun dans l'école. Donc l'aime fin déposer timoun dans l'école là m'apprendre que gen un kidnapping qui fait dans l'école là, c'est sous tête moi courir vers l'école là mais malheureusement ça crivé ou pas joindre aucun soutien au niveau de autorité qui capable absolument rien tout monde livré à eux-mêmes. Son bagage n'a demandé qui côté ça privé. Timoun yo qui arrivé joindre une nouvelle comme ça ou même ou son parent. Quoi imaginer comment ça fait gros impact sur la vie ou combien moi ka foun a chomé dans bail kidnapping. Après des petits mounio, hein, c'est maman petite moi et tout, mais les petites moi beaucoup entrer, ça va qu'on fait, pas fait plaisir parce que on paye à tomber dans salle tomber là, hein, et pas pour ça nous de travail, on paye, nous pas le gouvernement la donne, parce que c'est tout le monde clair pour jouer, c'est le bon Dieu seul qui a la sécurité, les hommes qui a la sécurité, et puis ou à l'élection, vous votez au monde, mon dans cette zone sont moins milliers, va être payé rien, va être libre. Même parce que normalement, nous mêmes haïtiens, nous tous. Nous prenons conscience parce que ça, son bagage planifié, de bon bagage comme ça, son bagage planifié, nous ne devons pas expliquer ça. Faut pas camper. Ça veut dire que son kidnapping, nous toujours dit, nous conscients, nous connaissons, son kidnapping, c'est un kidnapping d'État. Parce que là, nous disons kidnapping d'État, puisque le pays a lui-même, il y a un monde qui a la tête, jusqu'à ce que nous arrivions, nous arrivions 7 février 2021, eh bien, bon monde qui est dans le pays d'Haïti. Mais maintenant, jusqu'à présent, qui ça nous constate, chaque jour plus, par an, à Gédo Nanjeo, tout le monde entre dans la société à bout avec modèle de situation. Parce que c'est un carrefour, je fais un carrefour, je montre que carrefour, parce que toute commune, nous-mêmes, pourquoi nous n'avons dit nous pas d'accord avec le président Genève là, nous pas d'accord avec gang, nous pas d'accord avec kidnapping, nous pas d'accord avec corruption, nous disons ah bah, corruption. Quel que soit le monde, quel que soit le monde qui vit dans 13 sections communales là, il y a 10 blocs là, il y a tout carrefour général, faut que nous levions campé, faut nous dit non, ça n'a pas passé parce que nous avons un pays qui est par l'État. Où est-ce que manifestation? Ils ont parlé toute unité en dans la police là pour gaz lacrymogène gaz. Vous êtes marché dans la fin pour 2 heures, 3 heures. Bon, j'aime nos policiers, on joue même dit bonjour. Et les communes à prévendiquer, nos policiers prennent drapeau, un pays. Chirer drapeau normalement malgré pas de médias pour dire ça mais tout le monde couvrir ça l'éclair journée aujourd'hui nous pas carré mettre pays à par un chef gang article 134 de à clair sur ça nous pas demander pour Jovenel aller c'est mandat qui finit faut qu'il baille pouvoir journée aujourd'hui à Chris là avec à Chris là qui dans Porta Mara c'est Mara sali avec Jovenel Jovenel avec Chris là c'est Mara ça nous a gagné rien pour t'a dire encore pour quelle que soit façon, jusqu'à nouvel ordre. Moun qui raison, attendez, jusqu'à nouvel ordre, l'école tout fermé. Après 7 février, l'école a ouvert. Parce que personne ne parle à l'abri. Quel que soit directeur de l'école qui ouvre la porte, depuis qu'il y a un petit monde, c'est eux-mêmes qui ont un problème pour libérer. Voilà, c'est famille, moun dans la zone Bizoto 53 qui était mauvais. Puis devant, on a retourné encore sous le phénomène ça. À conséquence ni et qui visait particulièrement élèves l'école professeurs d'école pendant dernière semaine ça yo mais premier coup de pied dans l'actualité internationale la peine dans pays États-Unis côté président Joe Biden c'est un zam y aurait les patience li pral servi avec par rapport à la Chine et sa porte-parole li fait connait dans conférence pour la presse journée jeudi a Joe Biden pral varer sous la Chine l'a servi avec patience malgré la Chine son gros concurrent et par rapport à lui-même et c'est sa porte-parole Maison Blanche en fait connait ça que nous ouais pendant dernière année ça yo la Chine et chaque jour plus devine plus autoritaire gros poète en dedans la caille et puis sous plan international devine plus assurance et en même temps tout la Chine remettait désormais en question sécurité nous dans pays États-Unis nous remettait en question prospérité affaire bon nous ensemble avec valeur nous et c'est pas un jouet de menacer tout bon ça qui mandait pour nous l'autre gens pour nous approcher donc il y a plusieurs façons pour manger mayoc en main et c'est ça et Jen Saki déclaré et nous voulons pour nous aborder question la Chine avec patience stratégique d'après ça le rapport pour dire
et li fait connaître gouvernement dans sens ça pral chita avec congrès qui donc parlement li pral chita tout avec partenaire international li yo sous sujet ça dans semaine qui a venir là yo là yo demandé est-ce que nouveau président américain Joe Biden gen intention pour kembe même sanction gouvernement avant Trump te prend contre par exemple un géant en technologie chinoise Huawei Jen Psaki fait connait espionnage industriel là et puis avec question la Chine qui pas respecte ça les propriétés intellectuelles l'homme inventé l'homme fait un barrière il pas respecte dans pays la Chine là c'est un sujet qui préoccupe nous même dans pays États-Unis point de vue nous et sous ça et point de vue président Biden nous doit adopter un plus bon système de défense les n'a fait une façon pour la Chine gain pour le rendre compte pour sortir dans impunité par rapport à Zak Sayo dans pratique déloyale et illégale li a fait yo et nous assurer nous technologie américaine nan pas permettre et l'armée la Chine nan river renforcer tête li d'après sa porte-parole Maison Blanche là déclaré.